Il n'y a pas longtemps, on m'a parlé d'un vaste projet à Annecy qui développerait les compétences psychosociales des enfants et qui aurait un effet bénéfique pour leur santé. J'ai voulu en savoir plus, alors je suis allée à l'IREPS, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. C'est elle qui coordonne le projet. Je m'attendais à trouver des gens un peu coincés, voire même un peu moralisateurs. Mais en fait, quand je suis arrivée, j'ai rencontré plutôt des chargés de projet sympathiques. Des personnes qui réfléchissent ensemble sur la meilleure manière de soutenir les professionnels qu'ils accompagnent, qui préparent les actions de terrain sur lesquelles ils interviennent. Ils forment des professionnels d'horizons différents à intervenir sur des thématiques de santé variées. Ils se déplacent même dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les rencontrer au sein même de leur structure, pour les aider dans le montage et l'animation de leurs projets. Et au besoin, ils se font prêter la documentation et les outils nécessaires. Mais quand même, c'était pas très clair. C'est quoi au juste la santé? Pour le savoir, j'ai demandé à Gabriel. La santé, c'est pas que quand tu vas chez le médecin. C'est dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien. C'est comment tu te sens dans ta tête, comment tu te sens dans ton corps, comment tu te sens avec les autres. Et tout ça, ça va être influencé par ton environnement social, donc tes amis, par ton environnement familial, comment sont tes parents, par ton environnement physique, donc l'école où tu vas, est-ce qu'elle est près de chez toi, est-ce que ta maison est calme, par exemple, et par des compétences individuelles, les compétences psychosociales. Les compétences psychosociales, c'est vrai que c'est un peu jargonneux. Avec des mots plus simples, c'est des habiletés de vie qu'on a tout le temps, qu'on peut développer tout au long de sa vie. Pour te prendre quelques exemples, ça peut être comment on gère ses émotions, comment on discute entre nous, avec ses copains, avec des adultes, comment on peut avoir des idées, une pensée un peu créative, comment on communique avec les personnes qui nous entourent. Et ça peut nous permettre aussi de résoudre des problèmes. Dit comme ça, c'est plus clair. Maintenant, direction le quartier Noveltep, où se déroule le projet. C'est Michèle, une des référentes locales, qui va m'en parler. Donc sur le quartier Noveltep, Annecy, les partenaires du comité local de coordination ont choisi de travailler sur la promotion des compétences psychosociales des enfants de 7-12 ans, dans et hors l'école, donc ce qui implique pas mal de partenaires. Et après une période de diagnostic et de sensibilisation, le choix a été fait collectivement de travailler plus particulièrement la gestion des conflits, qui était quand même un problème récurrent sur les deux écoles et sur le quartier de manière générale, et la gestion des émotions, qui, bon, conflits et émotions, ça va quand même, c'est assez lié. Comment vous êtes-vous organisé entre partenaires pour travailler la gestion des conflits et des émotions ? Donc, ce qui avait été décidé, c'était que tous les partenaires étaient confrontés à ce problème de conflit et de gestion des émotions, mais qu'ensuite, on n'allait pas pouvoir tous faire la même chose et que c'était bien de garder chacun son identité en fonction de la place qu'on a dans le temps de l'enfant, effectivement, que ce soit à l'école, hors l'école, pendant les loisirs. Donc chacun pouvait développer des outils qui lui étaient spécifiques pour travailler ces questions-là. Allons voir ça de plus près. Commençons par l'école des TEP. C'est une école qui est au cœur d'un quartier, piéton. Dans un joli parc au milieu des immeubles qui n'est pas accessible, quasiment pas accessible en voiture. Voilà. C'est une école où les enfants ont beaucoup de nationalités différentes. Et qu'est-ce que vous faites pour développer les compétences psychosociales ? On a des séances de lecture partagées entre tous les enfants. Donc on mélange les petits avec les grands et on leur offre une lecture par semaine. J'ai entendu dire qu'il y avait des médiateurs dans l'école.
Comment ça s'organise concrètement? C'est la troisième année qu'on a des médiateurs dans l'école, donc ce sont des médiateurs enfants qui font des médiations entre deux enfants qui se disputent. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place vraiment parce qu'il y a un réel besoin dans l'école de développer ses compétences, de s'entendre, de se réconcilier, de s'expliquer. L'an dernier, ça a très bien fonctionné grâce à un service civique, un jeune en service civique qu'on a employé, qui s'est occupé de faire les plannings de médiation, en plus de beaucoup d'autres choses. Ça a vraiment un impact sur le climat scolaire aussi. Donc, les enfants écrivent leurs demandes sur un billet, le glissent dans la boîte, et ensuite, c'est Pierre, la personne en service civique, qui s'occupe de distribuer les rendez-vous aux enfants en fonction de leur emploi du temps. Voici ce qui s'y passe, version court-métrage. Vous devez attendre dans la salle d'attente, les médiateurs ils vont bientôt vous prendre. A tout à l'heure. Alors, Asma. Oui. On va te prendre et après on prendra... Tatiana. Moi je m'appelle Anissa et je suis médiatrice. Et moi je m'appelle Anza et je suis médiatrice. La médiation sert à régler les petits conflits entre élèves. On ne punit pas, on ne fait pas d'enquête et on... Ni pour l'un ni pour l'autre. Oui, pour l'autre. Donc, quel est ton problème? Bah, en fait, c'est avec une fille qui s'appelle Tatiana. Bah, en fait, en classe, avec son pied, elle tape tout le temps ma chaise. Du coup, ça m'énerve un peu. Elle me dit des choses méchantes. Pendant que l'un est écouté, l'autre attend. T'aurais une proposition pour te réconcilier? Oui, j'aimerais bien qu'elle arrête de se moquer de moi. Et j'aimerais aussi qu'elle arrête de me parler. Donc, quel est ton problème? En fait, Asma, tout le temps, elle m'embête et aussi, elle m'a volé mon groupe d'amis et du coup, moi, je tape sur sa chaise et puis je l'embête, hein, parce qu'elle m'embête aussi. Tu proposerais de faire quoi pour que ça s'améliore entre nous? Ben, j'aimerais bien déjà qu'on joue moins toutes les deux. On n'est pas toutes les deux notre groupe d'amis parce qu'on doit jouer avec tous. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous voulez vous réconcilier? Oui. Oui. D'accord. Tu t'engages à faire quoi pour que ça s'améliore entre vous? À plus taper sa chaise. Et aussi... à essayer de plus m'embêter. Asma, tu t'engages à faire quoi? Bah, je m'engage à plus l'embêter et à plus qu'on se bagarre plus. Et plus généralement, comment vous faites pour vous former dans l'école aux outils développant les compétences psychosociales? On a des formations, on a des formations d'école, voilà, aussi. On a eu la formation dans le projet compétences psychosociales, donc on a eu l'an dernier une formation assez conséquente sur donc destinée aux adultes, sur l'analyse de situation, sur l'écoute active, voilà. On partage aussi pas mal de choses entre collègues. On a une petite bibliothèque... bienveillante, on va dire, sur la pédagogie positive, l'écoute active, la,
la communication non violente, enfin voilà, on partage la coopération. Et donc, en fait, on essaye de passer ce relais quand les nouvelles personnes arrivent. Ah tiens, et par ici, on dirait que les enfants vont exercer leur sens critique. Alors, vas-y. On peut être heureux sans argent parce que ce qui compte, c'est pas d'avoir de l'argent, mais de la famille. Ah, d'accord, oui. Donc pour toi, le plus important, c'est la famille. D'accord. Et explique-nous pourquoi alors. Parce que la famille, t'en auras qu'une seule, tandis que la maison, tu pourras en avoir plusieurs. Ça en fait des activités. Et encore, je n'ai pas tout vu. Maintenant, direction Novelle, où l'école et le périscolaire ont inauguré le banc de l'amitié en juin 2017. Tous les enfants de l'école ont participé à sa création. Dessins, décorations, mots bienveillants. Au quotidien, c'est le banc du réconfort, du partage. Bref, celui sur lequel on rejoint des amis quand on se sent un peu triste ou un peu seul. Allons faire un tour au centre de loisirs Claude Vaillot, géré par l'association du Sceau des écoles. Chez eux, ce projet sur les compétences psychosociales a une résonance toute particulière. Oui, parce que ça fait 25 ans qu'on travaille sur le fait de rendre l'enfant citoyen et qu'il puisse prendre ses décisions. Et du coup, c'est vrai que les CPS, ça nous a permis de voir qu'on était vraiment dans le bon chemin. Et ça a permis de mettre des mots un peu plus précis sur le travail qu'on veut. Sur quel point, par exemple, ce projet vous a-t-il permis d'avancer ? Sur le centre de loisirs Claude Vaillot, les enfants tous les soirs ont un bilan de journée en petits groupes avec un animateur pour 8 à 10 enfants, où chacun va pouvoir exprimer son ressenti de la journée. Et donc on se sert d'outils qu'on a créés. Donc chez les plus petits, on aura les émotions avec les images de vice-versa, avec les 5 émotions de base. Et pour les plus grands, vu que c'était un peu enfantin, on est parti sur les emojis qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, voilà, on va plus loin que les 5 émotions de base, avec plusieurs sous-catégories. Et ce qu'on a voulu faire également, c'était de mettre des synonymes à l'émotion ressentie pour pas qu'on ait que du « j'ai été joyeux » ou « j'ai été triste » ou « j'ai eu peur ». Et du coup, les plus grands prennent le temps de lire. Et du coup, ça leur apprend aussi un peu de vocabulaire et de mettre un niveau aussi sur leurs émotions. Enfin, c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a plusieurs déclinaisons. J'étais en colère parce que j'ai encore mal au pouce. J'étais très heureuse de la journée au club. J'étais contente. Et aussi. Ces activités mises bout à bout, je m'aperçois que les enfants apprennent beaucoup de choses, comme verbaliser les émotions, écouter, aiguiser leur sens critique, gérer le stress, trouver des solutions à des conflits. Waouh! Et du côté des parents et des adultes du quartier, j'ai entendu dire qu'Élis Formation proposait des activités spécifiques. On essaie toujours de faire écho à ce qui se passe aussi, à ce que les autres partenaires font. Donc comme l'école des TEP s'est vraiment investie sur ce projet, le projet des compétences psychosociales, il nous paraissait important de nous aussi, au niveau des parents, de travailler sur cette thématique-là. Tu as peur si tes enfants se marient? Oui, sa fille, nous disons. Ma fille. Ma fille, le mariage. Inquiète et triste. Et toi? Moi, je me suis inquiète. Je me suis triste.
Je me suis émue. Je me sens émue, je me sens tous. C'est bien. Nous avons travaillé sur la thématique des émotions pendant plusieurs années, puisque le projet des compétences psychosociales était développé sur 5 ans, avec des variantes un petit peu en fonction des années. Mais le thème qui nous paraissait important, nous, c'était vraiment, on a décidé de se centrer sur les émotions et sur l'expression des émotions, parce que nous nous sommes rendus compte qu'en fonction de la culture de la personne, on n'exprime pas ses émotions de la même manière. Et donc, il est intéressant de savoir déjà nommer ses émotions en français, d'être capable de les dire, et puis ensuite de comparer, en fonction du pays d'origine aussi, comment on exprime ses émotions. En fait, ce projet n'est possible que parce qu'un ensemble de partenaires travaille de concert. C'est grâce à la collaboration, à la créativité et à la bienveillance de chaque personne impliquée qu'un tel projet peut se développer. La santé, c'est l'affaire de tous et nous pouvons tous y contribuer.